C'est toi qui l'as envoyé, la fille? Oui, papa. Il y a quel souci? Elle est sorcière. Elle est sorcière? Oui, papa. Qu'est-ce qu'elle vous a dit avant de l'envoyer? Elle me disait... c'est ce qu'elle a dit. C'est ta propre fille? Oui, c'est ma première fille. Tu l'as eu avec qui? C'est son papa qui est malade. Ok, donc c'est vous qui l'avez envoyé parce qu'elle est sorcière, c'est ça? Oui, papa. Elle avait déjà parlé de sa sorcellerie? Oui, elle n'a pas parlé de ça. Si tu me demandes, elle a rêvé. Quelle rêve que son papa est depuis quand vous avez su? Oui, papa. Depuis quand vous avez su sa sorcellerie? Bon, c'est moi passé. Comment? C'est moi qui a passé là. J'ai compris, mais comment tu as su? Son papa dit, dans la le fait mal. Tu ne comprends pas français. Tu es quel ethnie? Je suis gourou. Adro. Papa. Yadro. Son papa dit, dans la le fait mal. Maintenant, dans la le fait mal, il y a un des... ma belle là. Sa fille aussi, si il y a quelque chose là, elle voit dedans un peu. Maintenant, il la demande, elle me dit qu'il faut demander. Elle voit dedans un peu comment? C'est pris. Moi, je suis resté longtemps en France, là. Donc français, vous parlez la bonne Avant, je pouvais me débrouiller pour comprendre. Papa, il ne va pas. Non, français, je vous l'ai oublié. Non, français, c'est la même. Donc, je ne comprends plus rien. Vous parlez, maman, s'il vous plaît. C'est un prix là. Si on vient ici un peu, donc elle voit dedans un peu. Elle voit un peu. Donc, c'est grand sœur de mon mariage. D'accord. Je vais lui poser la question. Salut, tu es sorcière? Oui. Qui t'a donné ça? C'est mon grand-père. Hein? C'est mon grand-père. Pardon? C'est mon grand-père qui m'a donné. Quel grand-père? Le papa de ma maman. Comment t'as donné ça? Il m'a donné riz avec sauce. Riz avec viande de mouton. Maintenant, l'année, il est venu me chercher. On est parti dans le camp de la sorcellerie. Et puis, je me suis transformé au corbeau pour venir piquer mon vin. Et puis, sa joue est gonflée. Je n'ai pas bien compris. Je me suis transformé au corbeau pour venir le piquer. Et puis, sa joue est gonflée. Et puis, Il a chié ses marchandises de maman pour que papa ça marche. Hein? Il a chié ses marchandises de maman pour que papa ça marche. Il a tué mon cousin, mes deux cousins. Ça veut quoi? Il a tué mes deux cousins. Et puis, il a couché avec ma grande soeur. Bon, d'accord. Quand ton papa t'a donné, quand ton grand-père t'a donné la sorcellerie, c'est à quel moment? C'est quand on est parti au village là-bas. C'est là qu'il m'a donné manger. Il m'a donné riz. Elle vient de mouton. Et ça, il a mangé. C'est ça, quand il a mangé là, il était là-bas. Je suis tombée malade. Hein? Quand il m'a donné la celle-là, je suis tombée malade. Maintenant, on est venu à Abidjan. Quand on est venu à Abidjan, il est venu me chercher. Pour partir dans le camp de la sorcellerie. Et puis, il a piqué mon papa. Et puis, sa joue est gonflée. Il est où ton papa? Il est sur la terrasse. Amenez-le, moi. Ok. Donc tu as piqué ton père? Oui. Comment tu as fait? Oui.
La nuit quand il dormait là, je me suis transformé en oiseau. Et puis il est piqué. C'est quoi il est piqué là? C'est ça, ça. Sa gorge est enflée. Tu l'as piqué avec la gorge. Attends, hey. Comment tu as fait? Vas-y. Vas-y. Lève-toi. Non, toi. Moi. Elle. La fille sorcière là. Ça, lui, d'ailleurs, c'est vrai. Tu l'as piqué comment? Comment t'as piqué? Tu l'as piqué où? C'est où tu l'as piqué? Mets ta main. C'est sa gorge. Mais montre-moi ça. Montre le voici. Mets ta main sur mon papa. Mets ta main sur lui. Il est piqué ici là. Au commencement, c'est ici, il avait piqué. Maintenant qu'il est piqué ici, là, c'est enflé. C'est le gros. Non. Il est piqué ici là, c'est enflé. Maintenant, c'est fini. Et puis après, il est venu ici là, et puis il est piqué. Et puis, c'est enflé. Je suis parti à l'hôpital. Donc, ça veut dire que tu l'as égorgé? Oui. Et où il avait mangé? Oui. Et il n'est pas encore mort, pourquoi? Parce qu'on prie pour lui. Sinon, vous l'avez tué. Oui. Mais depuis que tu es sorcier, tu as tué combien de personnes? Il a tué 40 personnes. Tu as tué 40. Tu fais comment? Il me transforme mon corbeau avec tigre. Hein? Il me transforme mon corbeau avec tigre. Et tu as tué 40 personnes? Oui. Et tu as déjà tué ton père, c'est ça? Oui. Et tu as fait quoi encore? Il a couché avec ma grande soeur. Elle est où? Là où elle est derrière là. Où l'envoyez-vous? Oui. Il ne voit pas sa tête. Tu as couché avec elle? Oui. Tu couches avec elle, tu as couché. Tu fais quoi? Tu as fait quoi de sa vie? Il a couché avec elle pour gâter son enfantement. Son enfantement? Oui. Elle a quel âge? Parce que dans le monde de la sorcellerie là-bas, il est déjà marié. Ah bon? Oui. Où est la sorcellerie? Viens devant. Mets-toi là. Tu as quel âge? Il y a 12 ans. Non, c'est qu'à côté. Oh, t'es démon. Ton âge? Il y a 21 ans. Hein? 21. 21 ans. Mm-hmm. 21 ans. Oui, papa. Ok, donc tu as dit qu'elle couche avec toi, sorcier. Je ne sais pas, votre mari là. Madame. Il ne s'élève pas pour marcher? Non, non. Il y a un moment, il marchait, mais dans 2 jours, il ne marche pas du tout. Donnez-moi une bouteille. Prenez de l'eau. Prenez de l'eau dans un truc. Prenez de l'eau. Est-ce qu'il boit? Il boit l'eau. Donne-moi de l'eau, donnez de l'eau. Prends voilà l'eau. La puissante main de ton esprit se manifeste. Gloire à ton nom, merci d'agir. Merci de te manifester pleinement et de te glorifier. Pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus, je prie. Donnez-lui à boire. Lui aussi, tu es même pas fort. Ouais. Tu te jettes dans la main de. Tu n'as qu'à te manger maintenant. Fini. Redressez-le. Mettez-le dans une bonne position. Donne-lui à quoi? Il a fini. Placez-le très bien devant moi.
Tu prie que la puissante main de ton esprit se manifeste pleinement dans sa vie. Je prie que la puissance de ton esprit, je veux condamner l'esprit de mort. Je veux condamner cette maladie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Merci et que la puissance de ton esprit agisse pleinement en lui. Et je maudis cette présence de la maladie et l'esprit de mort. Que son âme soit, n'est-ce pas, restituée par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Tu as dit dans ta parole que celui qui croit en toi vivra même s'il est mort. Je lui communique la délivrance par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui est en lui, ses organes, puisse prendre vie, son cœur, ses reins, son cerveau, tout, son corps, ses os, ses nerfs, son sang, reprend vie par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je lui communique cette grâce, je lui communique cette onction particulière. Je lui communique cette onction par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi. Dis amen. Laisse-le. Qu'est-ce que tu n'as pas encore dit? J'ai pas encore dit. J'ai donné la sorcellerie à ma petite soeur, avec ma cousine. Avec ta cousine? Oui. Comment elle s'appelle? Comment les gens s'appellent? Tes deux soeurs, elles vont être là. Ma petite soeur s'appelle Regina. Et puis, ma cousine s'appelle Aïcha. Et puis, j'ai chié dans le travail de mon papa. Pour ne pas que... J'ai chié dans le travail de mon papa pour ne pas que ça marche. Ton papa fait quel travail? Il coiffe. Le coiffe où? Le coiffe à Sikoji. Abidjan? Oui. Le Kouban? Non. Kumasi. Ah, Kumasi? Oui. Ok. Touche ta tête. Lève-toi. Je prie
que l'esprit de la sorcellerie qui t'anime soit détruit par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Je veux condamner cet esprit maintenant. Je veux chasser ce démon de la sorcellerie. Tu vas quitter sa vie maintenant dans le nom de Jésus. Je te commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de lâcher sa vie. Sors de ce corps maintenant même au nom de Jésus. Tu vas libérer son âme, tu vas libérer son esprit et tu vas libérer tout son être par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Lâche-la. 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 Tu pars et tu libères son corps. Tu pars et tu libères son corps. Maintenant. Tu pars et tu libères son corps. Je te commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus. C'est un ordre. Quitte son corps. Quitte son corps. Tu vas partir maintenant même. Je te commande dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth de la libérer maintenant. Tu libères son âme et tu libères son esprit. Tu libères son âme et tu libères son esprit. Sors d'elle. Tu es là. Sors d'elle. Sors d'elle. Esprit de la sorcellerie. Sors. Sors d'elle pour que désormais l'Esprit de Dieu puisse s'emparer de sa vie. Sors d'elle. Tu vas partir. Sors d'elle. Tu vas quitter son corps. Tu vas quitter son corps. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu vas la libérer. C'est un ordre. Tu libères son âme et tu libères son esprit. Tu libères son âme et tu libères son esprit. Je te commande par la puissance qui est dans le nom de Jésus. Le feu consume tes œuvres. Tu m'entends? Le feu consume tes œuvres maintenant. Le feu consume tes œuvres maintenant. Le feu consume tes œuvres maintenant. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir dans ce corps. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir dans ce corps. La puissance de Dieu détruit ton pouvoir dans ce corps. Dans le nom de Jésus de Nazareth. La puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Et la terre? Oui, la terre. Le feu consume tes œuvres. La puissance de Dieu consume tes œuvres. La puissance de Dieu consume tes œuvres dans ce corps. La puissance de Dieu consume tes œuvres et dans ce corps, dans le nom de Jésus. Amen. Tu es libéré. Amen. Viens, 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 viens.
Lève-toi. Touche ta tête, touche ta tête. Seigneur, je libère sa vie et que désormais que sa vie ne soit pas sous le contrôle des œuvres de la sorcellerie. Et que ta main soit désormais sur elle. Je veux libérer sa vie. Je veux libérer sa vie. Je veux restituer au nom de Jésus que ton esprit restitue l'espace à fécondité. Que ta main soit sur elle. Merci d'intervenir et pleinement dans sa vie. Merci d'agir de manière forte et puissante. Merci de te glorifier dans sa vie. Merci d'intervenir au nom de Jésus que je prie. Amen. 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 Tenez-vous debout, vous tous. Approchez un peu devant. Mettez la main sur vos têtes. Que ton esprit vienne éternel, notre Dieu, se manifeste dans la vie de cette bien-aimée. Que ta puissance se glorifie maintenant. Que la gloire de ton esprit se manifeste. Merci d'intervenir de manière forte et puissante dans la vie de cette bien-aimée. Merci, et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen.